Bonjour, je suis Alexandra de Maman Teste à Vie. Je viens de réceptionner le Dyson V6 Matresse. Donc, c'est un aspirateur très puissant qui sert à éliminer tous les allergènes présents dans votre habitation, matelas, canapé. Jusqu'au mois de décembre, je vous ferai plusieurs vidéos pour vous présenter le produit, ses différentes fonctionnalités et on parlera de ses points forts ainsi de ses points faibles. Voilà, donc je vous laisse le découvrir avec moi. Donc j'ai sorti l'aspirateur ainsi que ses accessoires. J'ai déjà monté la brosse que vous pouvez voir ici. Voilà. Voici un acarien si vous voulez avoir une idée de ce qu'on peut trouver dans votre matelas. Vous voyez, c'est pas super appétissant. Hein. Au niveau de notre aspirateur, nous avons un temps de charge d'environ 3 heures, un peu plus de 3 heures. Voici le fil, donc il est quand même assez long. Au niveau des brosses, on a donc trois brosses qui peuvent être combinées entre elles. Hop, donc je vais juste la récupérer auprès de ma fille. Voilà. Vous pouvez les superposer. Le temps d'autonomie, si on est sur un temps d'autonomie de 20 minutes sur cette brosse-ci, 6 minutes si on combine toutes les brosses, ou il me semble 15 minutes sur ces deux brosses-là, mais on reverra ça ensemble sur les prochaines vidéos. Pour le filtre, donc vous avez un filtre à nettoyer ici, à passer sous l'eau froide au moins une fois par mois. Et là, nous avons le bac qui sera vidé évidemment après chaque utilisation. Alors, pour ce faire, c'est tout simple. Je vais essayer d'une main. On actionne cette molette-là. Oh, magnifique. Et voilà, on n'aura plus ensuite qu'à vider. Donc, au niveau du bruit, on est évidemment sur un appareil qui fait quand même un petit peu de bruit. Voilà, pour vous donner une idée. Hop. On verra donc jusqu'au mois de décembre plusieurs vidéos sur son fonctionnement. Donc j'utiliserai plusieurs pièces de la maison pour vous montrer vraiment son efficacité. On regardera aussi ce qu'on récupérera dans le bac. À mon avis, on va avoir des belles surprises. Et puis donc je vous expliquerai les différents filtres, comment le nettoyer, comment bien démonter vos brosses. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une super bonne journée. Ça n'a pas été facile pour moi de faire cette première vidéo. Voilà, j'espère que vous serez indulgents. À bientôt !